T'as pas cette impression, tu vois, de toujours squatter quand j'essaie de filmer. Eh ? La flemme et là, du chat. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo qui devrait normalement pas être trop longue. C'est une vidéo dans laquelle je voulais vous parler des sérums hydratants. Donc moi, en fait, j'ai l'impression de le dire souvent, mais j'ai la peau mixte, déshydratée. Et là, on est entré dans la fameuse période où justement ma peau réagit très mal, dans le sens où elle tire, elle est très très sensible. Si je n'hydrate pas, j'ai vraiment un inconfort, j'ai l'impression que je suis liftée du visage tellement ça me tire. Alors, ça me tire toujours au niveau des joues. Et ce qui est très pratique quand on a cette peau mixte à tendance déshydratée, c'est que on a cette partie du visage qui est inconfortable, qui tire, qui fait parfois des petits boutons parce que comme elle est agressée, elle fait des petites rougeurs, tout ça. Bon, là c'est pas trop le cas parce que Dieu merci, il fait pas non plus extrêmement froid pour l'instant. Et le plus pénible, c'est que par contre, au niveau de la zone T, ça commence à briller à la fin de la journée. Je trouve que les peaux mixtes à tendance déshydratée, c'est quand même une typologie un type de peau qui est peut-être, comment dire, plus jolie, on va dire, qu'une peau grasse ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que c'est très difficile à équilibrer parce que vous avez le côté je veux matifier, vous avez le côté aussi je veux hydrater. Le problème de la matité, c'est qu'elle déshydrate. Bon, c'est un petit peu toujours le tout et son contraire lorsqu'on établit une routine soin. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sérums hydratants. Alors, il faut savoir que j'ai jamais utilisé de sérum hydratant de ma vie. C'est vrai que j'en avais entendu parler plusieurs fois sur la chaîne d'Elon, de mon blog de filles qui parlait du sérum hydratant de chez Avène. Et j'avais jamais utilisé ce type de produit parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un peu le truc en plus, mais qui n'était pas non plus super efficace. Et j'ai eu cette curiosité de tester deux produits qui sont complètement similaires et dans des marques qui sont opposées mais qu'on connaît pour être les concurrents principaux. En l'occurrence donc La Roche-Posay et Avène. Donc La Roche-Posay, le produit s'appelle l'Hydraphase Intense Sérum Concentré et Réhydratant 24 heures lissant. Donc il se présente comme ça, c'est un 30 ml. Et le deuxième, c'est l'Hydrance Optimal Sérum Hydratant Peau Sensible Déshydratée. Donc c'est deux produits qui sont formulés pour les peaux sensibles. Celui-ci est hypoallergénique et non comédogène et celui-ci est sans parabènes. Donc concrètement, quand je vois un petit peu le packaging, etc., la compo, je me dis tout de suite que c'est similaire. Par contre, la compo, c'est vrai que j'avais l'impression que le Avène n'avait pas grand-chose dans le gosier, alors que celui-là, c'est con, mais vu qu'il est grand, on a l'impression qu'on a plus, alors que c'est exactement pareil. Donc, j'ai quand même eu le temps de les tester. Déjà, je voulais vous parler du sérum hydratant au sens large. Qu'est-ce que j'en pense? Alors oui, effectivement, lorsque j'applique un sérum hydratant, donc je le mets le matin avant ma crème de jour, puisque un sérum ne remplace pas votre crème de jour, il a juste tendance à justement améliorer, on va dire, la tenue de l'hydratation, mais il ne remplacera pas votre crème hydratante, sauf si vous avez vraiment un tout petit manque d'hydratation. Mais le sérum hydratant est un plus, c'est-à-dire vous pouvez, enfin moi en tout cas, si je ne mets que du sérum hydratant, c'est insuffisant. Donc ça, c'est la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que à lui-même il ne me suffisait pas, il se suffisait pas lui-même. Deuxième chose, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors au niveau de l'application, c'est très simple. On va prendre par exemple celui-ci, c'est une sorte de fluide en fait, hein. C'est très agréable à appliquer, ça pénètre très rapidement dans la peau. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que le fait de l'appliquer, si je massais pas vraiment, parce que je suis souvent chez la flemme, hein, clairement, si je massais pas vraiment comme ça pendant 5 bonnes minutes mon visage, la première chose que je peux dire, c'est qu'il peluche, qu'à partir du moment où j'applique ma crème hydratante juste après, il me faisait des peluches. Donc ça, c'est la première chose. Et là, je voulais aussi indiquer que j'ai eu l'impression, justement, en appliquant ce sérum, d'avoir au départ un inconfort qui s'estomper. En fait, j'avais l'impression d'avoir une espèce de film sur le visage le temps que ça sèche, effectivement. Mais une fois que j'applique ma crème de jour, mon maquillage, etc., je ne le sentais plus. Donc ça, c'est un premier point. Le sérum hydratant en lui-même, sans parler de l'Avène ou de La Roche-Posay, l'efficacité, je suis plutôt mitigée. Alors, oui, certes, si je l'applique
j'ai la peau qui va tirailler moins rapidement que si j'applique pas de sérum. Maintenant, est-ce que je trouve au sérum hydratant une nécessité absolue dans ma routine soin teint? Pas tout à fait. Et en plus de ça, je vous dis, c'est quand même des matières où j'ai l'impression, même s'il n'y a pas de parabènes, etc., j'ai l'impression d'appliquer un peu quand même un petit voile de silicone supplémentaire sur mon visage. Moi qui ai quand même la main lourde au niveau du make-up, voilà, je ne suis pas spécialement pour le fait de rajouter ça en plus, parce que justement, si vraiment jusqu'à la fin de la journée, j'avais pas de sensation de tiraillement, je me dirais, voilà, ça vaut le coup. Mais étant donné que, ouais, vers 16-17, ouais, je dirais à 16h, ça recommence à tirer, j'ai pas trouvé ça extrêmement... Voilà, je suis pas spécialement surprise par le produit sérum hydratant lui-même. Maintenant, il y en a peut-être dans d'autres marques qui valent plus le coup. Maintenant, la comparaison entre les deux produits, j'ai préféré le La Roche-Posay. Alors, j'ai essayé les deux. J'ai commencé par le Hydrance d'Avène et j'ai fini par celui-ci. Et j'ai préféré vraiment l'Hydraphase. Alors, pourquoi, je sais pas, la composition, je ne sais pas. Toujours est-il que le Avène, je le trouve beaucoup plus léger, en fait. Je trouve que... ouais, je vois pas tout de suite cette notion d'hydratation, alors que celui-ci, en l'appliquant, et puis je trouve l'odeur aussi beaucoup plus sympa. Il faut dire aussi que Avène, j'ai énormément utilisé leurs produits il y a 2 ans et je me suis lassée de l'odeur. En fait, je me suis lassée parce qu'à un moment donné, j'avais la cold cream, j'avais la crème hydratante, enfin j'avais le gel douche sur gras et je me suis vraiment lassée de l'odeur, elle m'a écœurée. Donc ça, c'est encore l'odeur Avène, même si elle est plutôt discrète, mais j'ai retrouvé cette odeur qui, du coup, me plaisait pas plus que ça. Par contre, à Roche-Posay, il y a toujours cette petite odeur subtile que j'aime plus. Maintenant, je vous le dis, honnêtement, je trouve pas qu'il y ait une différence non plus dont on puisse parler pendant des heures. Je pense déjà que j'ai à la base peut-être un peu plus d'affection pour La Roche-Posay, quoique ça dépend des années en fait. Mais en tout cas, cette année, j'ai plus ressenti d'amélioration d'un point de vue hydratation avec le produit La Roche-Posay plutôt que le Hydrance d'Avène. Maintenant, comme je vous le dis, c'est pas des produits que j'achèterais. Déjà parce que j'ai tendance maintenant, du coup, vu que j'ai bien le temps de faire mon test, à ne pas forcément les utiliser tous les jours, parce que je trouve pas que ce soit nécessaire. Je trouve que ça fait partie de ces produits en fait que l'on achète parce que voilà, parce qu'on a un inconfort et parce qu'on cherche toujours un peu le Saint Graal. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de ces produits qu'on achète mais qui servent pas à grand chose. C'est plus un produit de conscience. Vous avez un produit où on se dit, oh bah quand même, je fais le maximum pour m'occuper de ma peau. Mais en soi, bon, vous pourrez de toute façon me dire en commentaire ce que vous pensez des sérums hydratants au sens général, pas forcément ces deux, enfin... Si vous les avez testés, tant mieux, vous pourrez me faire un retour. Mais personnellement, voilà, pour les avoir testés pour la première fois, non, enfin, bien, mais sans plus. Et en plus, du coup, voilà, je me dis pas, en fait, si je ne l'utilise pas, si j'utilise pas ces produits, je me dis pas, oh là là, je vais pas être bien, je vais pas avoir la peau hydratée et tout. Je vois une mini différence, mais voilà, sans plus. Pour moi, c'est pas des produits qui valent spécialement le coup. En plus, c'est pas toujours donné, les sérums hydratants. Et vous voyez là par exemple, j'en ai sur les mains et on sort quand même qu'il y a un espèce de voile, un espèce de truc en plus un peu collant et il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur mes premières impressions en ce qui concerne les sérums hydratants. J'espère que ça vous aura aidé parce que je sais que c'est la période hivernale et que dans cette saison... On cherche un peu tout, on est prêt un peu à tout pour avoir cette peau moins désagréable qui tire. J'ai l'impression que mon visage se transforme en une vieille pomme là qui est en train de moisir, toute fripée là comme on utilise les pommes pour Halloween là. Mais bon voilà, je sans plus quoi, voilà. Alors moi je les ai eus sur le site bien sûr de Power Santé qui est ma parapharmacie partenaire. Maintenant je pense que vous pouvez les trouver un petit peu partout en pharmacie, etc. Si vraiment vous voulez vous faire des idées par vous-même, c'est de toute façon ce qui aura le mieux. Voilà, donc en tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.